Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Équipe si vous nous rejoignez. Bienvenue à Valence d'Agen, Tarn-et-Garonne. Et nous arrivons dans l'épilogue de cette 16e édition du Trophée des Villes, compétition majeure s'il en est dans le monde de la pétanque. À mes côtés, Jean-Luc Robert qui nous a accompagné tout au long de cette 16e édition. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous, et avec un grand plaisir évidemment. Eh bien évidemment, un grand plaisir parce qu'on s'est régalé, on a vu de la pétanque de haut niveau et là on atteint le sommet. On est là-haut sur la montagne avec une finale qui est une finale inédite qu'on n'attendait pas forcément entre Cahors et Lyon, même si Lyon, sur le papier au départ, faisait partie des équipes que vous attendiez. Oui. Moi, enfin, après, c'était mon pronostic personnel. Hein, Lyon, après, c'était ouvert. Et bien, après, il y a eu d'autres surprises. Il y avait Toulon, il y avait l'équipe de Philippe Quintet. Il y avait plein d'équipes qui pouvaient se hisser à ce niveau. Les favoris Lyon sont là, Cahors c'est une belle équipe aussi, ça nous promet une belle rencontre. Et voilà, 32 équipes au départ, elles sont deux à l'arrivée pour soulever le 16e trophée des villes et ça débute tout de suite. Eh bien, nous y voilà dans cette finale tant attendue dans laquelle on va entrer de plein pied. Vous connaissez la formule, hein, si vous êtes des fidèles de la pétanque et de la chaîne L'Équipe, ce trophée des villes. Des équipes de 4 joueurs. Première étape, les joueurs s'affrontent lors de 2 doublettes qui rapportent chacune un point. Ensuite, il y a une triplette qui rapporte, elle, 2 points. Et en cas d'égalité à 2 partout, c'est-à-dire si une équipe remporte les 2 doublettes et que l'autre remporte la triplette, eh bien, on ira à la séance de tir de départage. Une séance de tir de départage que connaît bien Lyon maintenant, puisque oui, sur les 2 derniers tours, eh bien, les coéquipiers de Michel Loi ont dû en passer par là pour se défaire de leurs adversaires. C'est chaud. Avec une certaine, comment dire, réussite, parce que c'est quand même, ça tient souvent à pas grand-chose. Maintenant, il y a quand même assez peu de hasard dans cet exercice-là. Donc là, on peut voir la première boule de Kevin Malbec. Enfin, on peut la voir surtout si Hervé Crozat nous fait un plan large. Voilà. Parce qu'elle n'est pas tout à fait à côté du bouchon. C'était un joueur qui avait oublié sa boule. Kevin Malbec, il rigole. Oui. Hein, la première, il y a de quoi. Il l'a, pour ainsi dire, un petit peu crocheté, on va dire. Voilà. Donc. Alors, la doublette que l'on vous propose, c'est celle qui oppose donc Kevin Malbec et Christophe Sario, deux représentants lyonnais. Il a choisi de se baisser, Kevin Malbec. C'est peut-être pour ça que la première, il ne l'a pas très bien joué, parce qu'en général, il joue debout. Le voilà, Kevin Malbec. Que s'explique sur le terrain annexe de ce carré central Sébastien Dacuna associé à Valentin Boris pour Cahors et face à eux c'est pas toi, hein. Michel Lois et Tyson Molinas. Toutes les parties que j'ai démarré à peu près comme ça. Je vais essayer de le gagner, on verra, non ? Allez, vas-y. En fait, avec cette première boule de Kevin Malbec, Lyon part avec 5 boules dans les mains. C'est ça. 6 pour Cahors. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, si on veut rester, hein, comment dire, optimiste, oui, elle ne gêne pas vraiment pour elle gêne pas vraiment pour pointer. Elle est en plein milieu du carré d'honneur, c'est un repère. Je me demande si elle n'est pas plus près du rond que du bouchon. Ah, et là par contre, ça devient un petit peu moins amusant parce que. J'aurais tout essayé dans le week-end, accroupi, debout, allongé. Ah. Allongé, on n'a pas vu, mais. Et en plus, allongé dans le cercle, il va prendre un carton hein, par l'arbitre. Non, mais ça va dépasser. C'est vrai que ça m'a surpris de le voir jouer la première comme ça, accroupi, parce que je ne l'avais pas vu jouer accroupi, moi, depuis le début de la compétition. Oui. Non, oui, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est pour ça que. Il n'a pas bien réglé la meilleure sur cette première amène. Et là, donc, première amène, aussi bizarre que cela puisse paraître. Et Christophe Sario va tirer au bouchon. Enfin, je suppose, hein, parce que j'ai pas tout entendu. Mais... Ouais, ça peut ressembler à ça, oui. Tir au but annoncé. Ouh, c'est long. Là, c'est quand même pas la meilleure. C'est pas la meilleure manière de débuter une partie, évidemment. Après, quitte à perdre une main de 6.
il vaut mieux la prendre à 0 à 0 qu'à 7 à 7. Christophe Sario qui a placé sa dernière boule pour tenter de limiter la casse. Mais attention, Simon Cortés arrive au cercle, il devrait y avoir un peu de ménage. Oula, attention, hein, parce qu'il a. Attention, celui qui a pris. Hein? Celui qui a fait crépiter un flash. Il a planqué son appareil photo. Cachez-vous, mettez pas Simon Cortés en colère. Ah non. Parce qu'il est adorable, Simon Cortés. Mais attention, il ne faut pas le chercher. Allez, il y en a une de moins. Ça va faire 4. Ça va faire 4 ou 5. Allez, Chris. Christian Lagarde. Ah, si on pourrait gagner un. On gagne un, ça va. On démarre jamais bien. Non. Le constate Christophe Sario. Bon, de toute façon, on démarre jamais bien. Remarque de Christophe Sario à Kevin Malbec. C'est vrai qu'hier, enfin la veille plutôt, au tour précédent, dans leur doublette, ils avaient mal démarré. Quand je joue, face à Boulogne-Billancourt, ils avaient fini par l'emporter quand même. Ouais, 2 à 9 derrière, ils étaient. Ah, ça change tout. Christian Lagarde qui va tâcher d'ajouter encore. C'est quand même pas dur. Ça, c'est fait. Hein? Le coach lyonnais Pierre Martins. Le coach de Cahors, pardon. Eh, Simon. Allez, encore du poulet. C'est quand même pas dur. Hein? C'est quand même pas dur de venir dans le 5 ans. Regarde, ils y vont tous dans le 5 ans. Ouais, non. Eh ben, c'est pas carton plein, mais c'est pas loin. Ça ne peut économiser. Cahors qui démarre en trombe. 7 doublettes et qui mène 5-0. Je peux me reculer ou pas là ? Allez, vous pouvez, monsieur Cortés, s'il n'y a pas 10 mètres jusqu'à la ligne de perte, vous pouvez. Mais pas plus loin que le parking. Je dirais, il a rien pour rien. Non. Il a rien, hein. Il a rien pour toi. Allez, nous. Deuxième main, 5-0 pour les joueurs venus du Gers. Hein, face. Je rends 50 à chaque fois qu'on est. Aux Rodaniens. On vous tiendra informé, bien sûr, de ce qui se passe dans l'autre doublette. On tiendra informé de l'évolution du score. Christian Lagarde. Eh bien, c'est bien joué. Bien à 8m40, cette deuxième mène. Allez, Kev, c'est de gagner. Alors Kevin Mabet qui débute à la pointe, mais ça peut tourner, hein, comme hier, comme la veille plutôt, en demi-finale. Alors elle n'est pas complètement arrivée. Non, un petit peu court. Pareil. Et bouteille. Elle est pas restée au milieu, ça. Il signe le Boca. Allez, mon petit. Il y a du mieux. Ouais, Chris. On peut dire ça. Et comme elle est pas mal, un peu dans l'axe, Christophe Sario tire. Bien tiré.
jamais bien démarré. Ah, question, ouais. Allez. Ah, c'est ça. Bon, ça c'est encore bien joué. Ah oui, il tient la garde. Bravo. Toute l'expérience et tout le talent. C'est bien, hein. On a la garde. Alors ils ont fait un peu avec Christian Lagarde. Avec Christian Lagarde, ils ont fait un peu comme au foot. Avec les joueurs qui arrivent un petit peu à la limite là, ils ont économisé son temps de jeu pour qu'il soit en pleine forme pour la finale. Et là, à côté de. C'est la deuxième main. Hein. Ouais. À côté, dans le terrain à côté, mais. Ce qui se passe, c'est. C'est vraiment exceptionnel. Sébastien Dacuna, c'est showtime pour Sébastien Dacuna. Je crois qu'il en a tiré 4 et il a fait 3 carreaux qui n'ont pas bougé. Ah ouais. Oh, showtime aussi sur l'autre partie du carré d'honneur avec Kevin Malbec là qui vient. De réaliser un appoint. Si le but boule, c'est que tu as bien tiré. Et Simon Cortès au cercle. Allez, pense à déménager. Oula, il a fait le bouchon au passage. Bien tiré. Bien tiré. Ouais, c'est bien tiré, mais le point reste en faveur de Lyon. C'est où la ballon ? Commence bien, les deux doublettes. On n'aime pas, ça va être bien. Il l'a manqué. Donc ça veut dire que Cahors va partir largement devant aussi. Dans l'autre partie. T'as vu les cadrés là ? Je ne sais pas. 19 secondes. Alors vous avez souligné dans la présentation de cette finale qu'il y avait des grosses cylindrées qui s'étaient faites éliminer prématurément. Exact. On pense à Chartres, on pense à Toulon hein, qui compte dans leur rang des champions du monde, entre l'équipe autres. Mais... Toulon, oui, puis l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Suchot, Manu Lucien. C'est ça. Erwan. Là, la finale, c'est une finale qui a de la gueule quand même aussi. Il y a des beaux joueurs. Il aurait pu avoir une variante au niveau des finales. Il aurait pu avoir 5, 6, 7 finales qui sont exceptionnelles avec les équipes qui étaient inscrites à ce 17e, 16e. On fait des villes. Il y avait un niveau extrêmement relevé. Oh! Et tiré Christophe Sario encore. Allez, il n'a pas fait le voyage pour rien. La boule, le bouchon mène annulé. Il a tiré. Et Cahors qui conserve donc son avantage de 5-0. Et du coup, puisqu'il y a une petite interruption, j'y vais quand même quand je vois cette belle équipe de Cahors. Oui. Je vais envoyer un petit coucou à mes amis du club de où je réside, Hill, dans la Haute-Vienne, qui étaient présents à la finale à 8 de. Malheureusement, on ne les a pas vus parce qu'au niveau du tirage, ils n'ont pas été gâtés. Ils sont tombés contre Metz, mais ils étaient à Chemillé en début d'année. En Coupe de France, c'est pour se qualifier pour Chemillé. Ils avaient battu, parce qu'il y a évidemment un rapport, hein. Ils avaient battu à l'Écussan, cette belle équipe de Cahors. Ouais. Dieu sait qu'elle est belle parce qu'elle a fait bouger de Cahors. C'était Florence Chop. Et puis, il y avait une autre d'ailleurs féminine. Là, je m'excuse, mais je ne me souviens plus de son nom. Mais donc pour un petit village comme Hill et pour une bande de copains, arriver à ce niveau-là en battant des équipes, des grosses cylindrées comme Cahors, ben je pensais que ça méritait d'être souligné. Ah, ça. Ça le mérite, effectivement. On va attaquer la troisième main. Allez. Troisième de cette finale du Trophée des 2016 entre Cahors
et Léon. Bien, Chris. Bien. Bien, bien. Alors que dans la partie qu'on ne voit pas, Valentin Boris et Sébastien Lacuna mènent 7-0 contre Michel Loi et Tyson Molinas. Et quand même. Ça déroule très très vite, hein, c'est ce début de doublette là. Bravo. Bien tiré. Je suis au pied. Hein. Ouais. Ah, Kev. Allez, refais de faire tirer. Allez, refais tirer. Là. Allez, bon. Ah, gros. Bravo. Bien. Ça y est, Kevin Malbec, le retour du Jedi est arrivé. Ouais, parce qu'il avait déjà bien pointé la main précédente. Et là, c'est bien encore. Ah. Ah. Un petit joker pour Simon Cortés qui s'excuse. Ça bouge, ça bouge. Ah, tiens, la garde s'excuse aussi. Et il y aura une nouvelle distance de jeu à l'autre extrémité de la planète. Allez, fais le bout encore là. Ah, c'est normal, mais qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas bien démarré. Ah, d'accord, mais bon, on a fait une main. Ah, c'est toujours bien, ça arrive pas. Hein. Allez, gros. Et pas loin des 12 mètres. Et c'est bien joué de la part de Kevin Malbec voilà, qui fait la reprise tout de suite. Ouais. Il manque 50. Hein ? Un peu trop monté, je pense. Ouais. Après, il y a tout ça. Allez, Christian. Allez, Chris. C'était ça, donc il y a un tout petit peu trop de force. Je sais pas, peut-être. Ok, elle est passée. Hein? 78, t'as vu? Ah ouais. 2 cm. Allez, c'est là que je tapais. Un peu loin. Pour aller, pas assez levé. Ouais. Mais oui. Ah, c'est là, Chris. Allez, vieux. Allez, Chris. Et aucune utilité territoriale, ouais. Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bravo. Ah, bravo. Ça, c'est bien joué. De la part de Christian Lagarde. Pas levé la première. Ouais, c'était beau, ça. Pas levé, ouais. Oh, il a bien envoyé. Christian Lagarde qui est venu se coller au bouchon. Il a bougé le but, non. Il était bien jeté ta première ancienne. Ouais, une pop. Allez, on me dit. Pour ça, je veux pas être. Ça va, c'est envolé quand même. C'est loin, il a voulu. Alors déjà que c'est loin. Il a voulu tirer à tomber dedans. Il a voulu forcer un peu, certainement. Qu'est-ce que t'en penses ? Debout, il reste ? Ouais. En pointant, on abandonne la marque. Ouais, je vais tirer la mienne. Tire, viens. On verra bien. Soit en pointant, dès l'instant on est 0,5. Dès l'instant tu tombes dessus, ça sort. Allez. Je vais tirer normal. Allez. Tirer à tomber dans la gueule. Et... Allez. Allez, mon petit. Ouais, c'est.
À mon avis, c'est bien la meilleure solution. Allez. D'ailleurs, en espérant qu'il va être tombé dessus pour l'équipe de Lyon, parce que là, en pointant, il y a manque, il ne risque pas de marquer. Bravo, bien tiré. Super. Ah oui, c'est bien tiré à cette distance. Ça, c'est fort. Bien tiré. Et mène de nouveau annulé. C'était important parce que là, ils étaient partis pour perdre encore. S'il manque ça, ils pouvaient perdre encore deux ou trois. Et heureusement que la taille d'un carré d'honneur est limitée à quoi, 15 mètres. En général, oui, le terrain réglementaire dans ce genre de cas, 15 mètres sur 4. Alors que vous apercevez, enfin vous voyez dans les tribunes Jean-Michel Bey, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, très présent sur le Tarn-et-Garonne, qui avait déjà honoré de sa présence le lancement de cette 16e édition à Valence d'Agen lors du tirage au sort et qui ne pouvait pas ne pas manquer cette finale. C'est mieux d'être présent ailleurs surtout. Hop, 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 hop. Ah bah tiens, une Malbec. Et ça c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi j'y suis allé de Montacle tout à l'heure. Là, c'est allez, on fait le tirer. Et non, mais... C'est chaud là. Hein. Et non, mais quitte à ce qu'il y en ait ou deux qui m'appellent, autant que Kevin m'appelle aussi. Ah bah oui. Ça fait trop revenir là, gros. Vu ce que vous balancez, il va vous falloir une standardiste. J'ai changé de numéro, je vais me mettre sur liste rouge. Oui, bonjour, secrétariat de... De Jean-Luc Robert. Oui, c'était pour dire quelque chose à Jean-Luc sur une remarque qu'il a fait. Ah, ils savent que. Je le note, monsieur, il vous rappellera. Ils savent que c'est toujours sur le ton de l'humour. Bien sûr. Je ne me souviens pas depuis que je fais ça, cette activité qui m'est aussi, aussi agréable. Avoir critiqué la qualité de jeu d'un joueur. Je vous le confirme. Le comportement, ça peut arriver, des fois. Si ça me... gratouille un peu, mais la qualité de jeu, sûrement pas. Parce que, figurez-vous que je sais trop ce que c'est. Ouais, c'est ça. De se retrouver là au milieu et de pas bien jouer. Alors vous entendez la clameur du public de la Al Bailey de Valence d'Agen qui vibre grâce aux 8 acteurs de cette finale, puisque on vous l'a dit, ça joue aussi sur le deuxième terrain d'honneur. Et ça va pas mieux pour Lyon apparemment, Jean-Luc, pour le tandem Lois Molinas. Non, pas vraiment, non. Mené 9-0 par l'équipe de Cahors. Et là, je serais bien étonné qu'ils ne tournent pas. Alors, ils avaient tourné déjà en quart. Bravo. En huitième. Là, je pense que Michel Lois va se retrouver tireur et que Cajon va pointer. Parce qu'il n'y a rien qui va, en fait. Et en face, comme ça joue très très bien, ça défile. Et là, sur le... La doublette qui nous intéresse, ça va bien pour Simon Cortès là, qui a fait un joli tir, un de plus, qui oblige Kevin Malbec à aller au cercle. Hop, wow. Ça suffit. Bien joué. Elle est bien placée, surtout. Effectivement. Prends un tel Boris comme il en a encore mis dans le bouchon, c'est Michel Lois qui va tirer sur le terrain d'à côté. Si c'est contre sec, on n'est pas bien. Hein. C'est bien tiré. Ouais. Petite marche arrière, mais. Allez, essaye. Elle est sortie. Christian Lagarde. Il a mis beaucoup d'effets, oui. Qu'elle est bien jouée cette boule. Il va lui manquer un peu de force, mais c'est vrai que c'est dommage. Hein. Ça, t'es court, hein. Il manque. C'est qu'il était. Il manque deux tours. C'est pas payé parce que. Trois boules. Elle était admirablement jouée.
Aïe, c'est pas. Hein? C'est mon Cortez dubitatif. Moi, je pense qu'il y a beau jouer avec la tienne. Hein. T'envoies bien là. Bon, alors, de t'en prendre un peu ta boule, tu peux en faire deux. Il manque rien à ta boule, Christian. Hein. Il manque rien ou pas grand chose. Allez, Chris. Oh, c'est bien joué. Bien joué. Il y a peut-être assez. Ça suffit, ouais. Hein? Ça peut avoir suffi. Trois fois court. Ouais, peut-être gagné celui-là, non? On a gagné, oui. Hein? On a pas gagné? Ouais, on irait. Me semble. Eh ben, on va le savoir. Cortez pas. Mesure. Ouais, il a gagné. Ouais. Presque un centimètre. Elle a gagné la boule de Pierre Lagarde. C'est donc à Lyon de jouer. Ah, c'est poussé. Mais bien. Allez. Allez, tiré, je pense carrément à la première. C'est ça. C'est tiré. C'est bien tiré, mais ouais, c'était sur le côté, donc ouais, je suis ouais, c'est ça. Elle a pas enchaîné sur la deuxième. Allez, mon petit. Allez, il y retourne. Christophe Sario. Bravo, oh, super. Là, sur la tête, ouais, mais il était temps. C'est passé. Il était temps qu'elle tombe. J'ai tiré comme ça, hein, première, faut que je tombe dans la gueule. Allez. Je suis tombé dans la gueule, mais je suis pas... Allez, c'est bon. Bravo, Rick. Bravo, Simon. J'ai vu que j'avais perdu. Non, non, elle a roulé, mais elle a gagné. Bien. Il a joué. Et voilà, vous savez, c'est bien. De la boule de Christian Lagarde. Elle a roulé, mais elle a gagné. Dernière boule de la main. Christophe Sario au tir pour déloger cette boule de Simon Cortez qui tient le point. Aïe, un peu court, elle est partie. Eh bien, on ouvre le compteur. C'est ça. Dans la doublette lyonnaise. Donc certainement sans un petit soulagement. Recule un peu. Hein? Tu joues là-bas, là. Dans le plastique, non? Allez, on fait tirer d'entrée. 5-1 pour Cahors, finale du trophée des villes 2016. On attaque la 5e. Allez, on fait tirer. Cet avantage de 4 points pour les joueurs de Cahors. Et c'est Lyon qui va jouer à la pointe Kevin Malbec. Allez, gros. Bien joué. Bravo. Bravo. Ah oui. À 9m30, la mettre là, c'est bien joué. On va décoller aussi. Hein? Ils vont décoller eux aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est bien que quand on filme Christophe Sario et Kevin Malbec, on a des nouvelles de la partie d'à côté. Oui, parce que la leur, ça les intéresse comme ça. Mais en revanche, c'est vrai que ce qui se passe sur le terrain d'à côté, là, ils sont au taquet. Et Simon Cortez, lui, il est bien concentré sur sa partie. C'est frappé. Il a fait quoi? Un point de rajout vendangé par Michel Loire, je pense qu'ils font 2 points. Ils ont décollé aussi. On reçoit, hein. Christian Lagarde, quel appoint! Il est venu encore une fois se coller au bouchon. Oui, là,
Ça laisse un peu moins de place pour le gagner. Bien bravo, tiré. Bien tiré, main annulé. On y retourne. C'était prévisible. Vu comment la boule de Christophe Lagarde était collée au bouchon. Oula, Kevin Malbec, son lancé de bouchon qui, bouchon qui a rebondi, bim bim bim, pour finir hors des limites. Deuxième tentative. Allez gros, fais tirer encore. Allez gros. Alors il voulait jouer sur le côté, mais le bouchon on a décidé autrement, ce sera pile dans l'axe du cercle. Allez Kevin, essaye. Le but est à 1,50 m. Bravo, bien. Bien joué, c'est bien joué, c'était sur le côté, donc on n'aurait pas tiré tout de suite du côté de Cahors. Moi je pense que si. Merde. Ah. Chaque fois on va me faire un bouchon, machin. Ouais. Sur le côté, voilà. Putain, allez, voilà, je gagne pas au moins que j'approche. Et voilà. Allez Chris. Et voilà. Allez, approche-toi. Comment on termine une carrière? Allez Chris. Vous avez plus de moi, vous savez ce qu'ils vont faire, c'est vous qui avez raison tout le temps maintenant. Mais non, moi j'avance une hypothèse. Oui, moi aussi, mais moi je sais jamais la bonne. Non, c'est pas vrai, arrêtez. À la distance qu'il y a là, c'est vrai que. Bravo. Je pensais qu'ils allaient tirer. Ah ouais, mais il est en feu, Christophe Lagarde. Il fait bouchon sur bouchon. Oui, mais seulement c'est Christophe Sario qui se met en feu, ils vont avoir des soucis, mais il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Qu'est-ce qui est le plus dur à cette distance, tirer ou pointer? Le plus dur. Dans ce terrain-là, il n'y a rien qui est dur. Enfin, pour les joueurs qui sont là, je pense. Ouais. Alors, là ils se sont fait cadrer. Voilà. Ouais. Et maintenant, s'ils le perdent ce point, ils vont tirer, mais s'ils ne cadrent pas, ils risquent de se faire contre-attaquer. Bon, après, c'était le choix. S'ils le gagnent 6 fois, je ferai mon mea culpa. À ce prix-là seulement. Ouais. Je ne suis pas vraiment inquiet quand même. Bien joué, Christian. Ça a pris apparemment. Non, pas sûr. Un second. Ouais, c'est pas assez. Hein. Eh bien, vas-y, mon copain. Allez, Simon. Allez, fais la péter. Les consignes de Christian Lagarde à Simon Cortès. C'est pas fait de la place, hein. C'est. Fais la péter. En voilà à Toulouse. Ah, bon, Simon. Bien merde. Tiré, mais il n'a pas cadré de la première blanche à Christophe Sario. Donc les Lyonnais vont contre-attaquer. Ouais, fais de la place, c'est bien, allez, essaye gros. Ça m'énerve, je me reprends à chaque fois. Eh ben allez, ouais, tu la pousses, on sait pas. Allez. Chut. Allez Christophe. Bien tiré. Oh là là, ça va. Ouais, bien tiré, mais. Ça va devenir très compliqué, ouais, parce qu'il n'y a pas grand chose. Ah, ça me casse les bonbons, ces boules là. Il n'y a pas grand chose pour eux. Allez gros, c'est de faire tirer. Maintenant, on doit s'approcher des. Il y en a qui sont faits pour les boules, hein. Des 11 mètres. Ah, pour l'amour. Ah ben. Allez, gros. Pour l'amour et le tango. 12 mètres 10. Il y a 100 mètres. C'est encore autre chose. Ah ben, allez, gros. Bien sûr, ben, allez Kevin Malbec, il faut embouchonner. 12 mètres 10. Physiquement, il y a les moyens. Et techniquement aussi, il peut le faire. On ne sait pas bouchon, c'est bien à 12 mètres de venir là.
Jouer 12 mètres 10 des points comme ça, ils sont bons. Donc, ouais, ils sont chatards au boulot. Maintenant, faut l'enlever. Quoi. C'est bon, tu vas tirer. Ouais. Hein, essayer de pas tomber sur la boule. Hein. Allez, viens. C'est approché, vieux. Parce que c'est mon épée, là, quand même. Hein. Il y a moins, ça. Hein, hein. De quoi? Ouais, je vais pas tirer, là. Il y a 15 mètres, là. Allez, Christian. Il faut pas tirer, là. Enfin, il faut jouer la sienne. Ce qu'il veut... Ça y est. Le coach qui est venu donner son avis. Il y a Martin, celui qui est venu et suggérer une possibilité. Ah oh. Ouais, ouais, ouais. Oh là 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 là. Du grand art. Ouais, oh. Et là, évidemment, ça donne raison à Simon Cortés et à Christian Lagarde. 32 ans, c'est bien. Hein. Parce que le point ne se gagne plus. Simon Cortés, il aura toujours la possibilité de faire une belle main en frappant deux fois. Elle est belle cette image. En sachant qu'il y a, qu'il y a 12 mètres 10. Non, je sais pas. Non, il est par là. Allez, Kev, même tu viens là, c'est bien aussi. Hein. Joli visage radieux de Christian Lagarde. Après, ce qu'on peut appeler. Allez, Kev. Un coup de maître. Oui, c'est. Maître Lagarde. Sur un arbre perché. Et le public toujours qui s'enflamme sur l'autre partie, l'autre doublette, et c'est bien aussi ça quand même ce que vient de faire Kevin Malbec. Ouais, parce qu'il s'enflamme, parce que Sébastien Dacouna, non seulement il fait des carreaux, mais là il a fait un carreau, puis il en a enlevé deux d'un coup. Ça doit faire 12 ans. C'est ça, 12 à 2. 12 à 2, vous avez entendu ça aussi. Ça peut tourner, hein. Ça peut tourner. Ouais. Alors, Simon Cortés. Qui d'ailleurs prend même pas le. C'est bien joué, hein. C'est bien, c'est bien. Qui essaye pas hein de. Fallait pas être court à la première, c'est bien. Maintenant, tu vas te. Ouais, ça. Ça développe un peu, ça te manque un peu de montée. Mais t'as vu le passage, il est bon là. Hein. Après, allez, c'est vrai que c'est très, très un mètre de moins, c'est bon. Mais là, en pointant. Quelque chose qui me dit qu'ils vont faire une belle main 2. Ouais, mais tirer c'est dangereux hein, parce que la boule de Kevin. Oui, c'est dangereux, mais d'un autre côté, c'est une solution pour faire des points. Ouais, ouais, ouais. Là, voilà, là, ils en ont fait un. Hein. Oui, mais si. Ouais, il faudra. Faut... Non, mais vous avez raison, bien sûr. Rappelez-moi de faire un concours avec Christian Lagarde un jour. Ceci dit, j'en ai déjà fait un, mais vous deux. À l'époque. Parce que là, quand la première de Simon Cortés, elle est là-bas au bord de la ligne de perte. De mettre derrière le bouchon et entendre Christian Lagarde dire c'est bien, bien joué. Il a justifié pourquoi il dit c'était bien de ne pas la jouer courte la première. Moi je valide des propos comme cela, parce que si elle est courte, elle ne sert à rien. Ah, c'est ça. Ah, quelle est belle cette image proposée par Hervé Crozat et ses équipes. Christian Lagarde qui a toujours autant de plaisir à jouer. Oui, il a retrouvé un peu le plaisir au niveau. Parce qu'à un moment, il l'avait un petit peu perdu, il avait fait un petit break et puis il est revenu. Et tant mieux pour nous et pour la pétanque. 6-1 à l'attaque de la main numéro 7. 6 pour Cahors, 1 pour Lyon. Mankembo. Sachant que dans l'autre, on va jouer après de 9 points. Sachant que dans l'autre doublette, il y a 12-2 pour Cahors. Ouais. Alors rien n'est fait, mais bon, c'est une finale qui pour la confiance n'est pas super bien engagée pour les Lyonnais. Il y a le feu. Il y a la triplette derrière qui pourra tout rééquilibrer, mais. Moi, de toute façon, je suis supporter de l'équipe qui gagne la première doublette. Ça va. Passer par derrière. Ah oui. C'est-à-dire. Pour qu'il gagne je pense le deuxième. Qu'il y a beaucoup. Hein. Ah, d'accord. C'est que comme ça qu'on peut aller au tir de départage. S'il y a un partout, on n'aura pas de tir de départage. Je vais vous offrir un kit de tir de départage que vous mettrez dans votre jardin. Et laissez que le premier cercle, celui qui a 6 mètres 50.
Oh, c'est bien, ça me fera faire des économies. Non, mais je vous taquine avec ça, mais c'est vrai que c'est formidable, une partie qui... Moi personnellement, oui, moi, aussi, oui. Moi, j'adore. Après, oui. Évidemment, ouais. Évidemment que c'est spectaculaire. Allez, allez, Chris. Allez, Chris, bien. Christian Lagarde. Ouais, qui avait mis un petit bien effet rentrant et c'est bien joué encore. Alors depuis le début de ce Trophée des Villes, on vante la qualité de la pointe de Michel Loi, qui, voilà, qui est en tout point remarquable. Mais Christian Lagarde est en train de faire une partie. Ah ben on a vu plein de pointeurs. Hein. Oui, c'est vrai. Grosse partie. Super. Et le premier jour, je voulais, si vous permettez de vous le rappeler, le premier jour, je vous avais dit qu'on devrait assister à un bel appoint compte tenu du terrain, que la différence, oui, elle se ferait certainement au tir. C'est vrai, je me souviens, et vous faites bien de le rappeler. Allez, ça y est. Plein de grands pointeurs. On peut jouer Jean-Luc Robert à l'époque. Ouais, c'est ça. Et on peut jouer un peu toutes les manières à l'intérieur. On a vu Sébastien, oui, Rankin pointait à la perfection en les faisant rouler avec une belle rotation et en les forçant un peu. On voit des joueurs comme qui pointent aussi très très bien, Valentin Boris, qui joue plus ou moins en demi-donné. Et après on voit Michel Loi qui les envoie encore un tout petit peu plus loin et qui a fait un festival depuis le début. Donc ce terrain permet de jouer de toutes les manières. De bien jouer de toutes les manières, voilà. C'est pour ça qu'on voit des points aussi beaux depuis le début de la compétition. Et c'est tant mieux. Mais ça y est, Simon. Allez. Allez, Simon Cortès. On a même vu, souvenez-vous, le champion du monde de tir de précision. Bruno de Boursicot, faire un appoint. Ah bah. Est-ce que tu l'avais gagné quand même? Une autre planète. De rêve. C'est donc que les terrains sont faciles. Allez, un coup de fil de plus. À part que lui, c'est vrai qu'il a pas téléphoné, lui, ça c'est sûr. Bravo, super. Bien tiré, Christophe Sario. Ouais. Je sais pas s'il a gagné. Je suis pas sûr. Simon Cortès, bien joué encore. Bravo. Oh là là. Bravo. C'est tout bête, elles ne sont pas placées sous le signe de réussite pour l'équipe de Lyon. Parce que là, le coup d'avant, c'était un petit coup sur le terrain filmé. Et sur le terrain qui n'est pas filmé, c'est Sébastien Lacuna qui a envoyé un train, qui a pris le bouchon et qui s'est fait deux points gagnables. Donc il n'y a pas grand-chose qui va. Alors, allez, Simon, vous donne 3. Et on a pu apercevoir le petit entrechat. J'exagère un peu, mais disons qu'il était quand même bien long. Le petit entrechat de Christophe Sario après son tir. Bravo, oh Simon. Bravo. 3 sur 3. Bravo. À la pointe pour Simon Cortès. Qui a 3 appoints de qualité. Aussi, ah mon pote, top la boule là. À part quand il nous faisait son petit sketch là. Allez mon gros, fais un effort. Je suis toujours court, mais les boules étaient toujours quand même en peine dans le jeu, dans l'axe et tout. C'est vrai que des fois il manquait quelques centimètres. Hein. C'est quoi dans la main d'abord? Après vous prenez le lieu? Ouf, casquette, hein. Quand ils ont une menace. Allez Kev! Alors là c'est important, il faut y taper, il faut se forcer un petit peu, il faut marquer. Malbec, hop, un peu long.
Ah, c'est pas grave, tire bien celle-là, on juste est pareil. Pas hein droit, j'ai l'impression. Allez, bon, remets-y droit. Ah, ouais, c'est possible. Allez, gros, fais-nous marquer. Allez, Kev, celle-là, dernière, c'est pas grave. Boule de la main. Il faut faire bouche pour Kevin Malbec s'il veut marquer dans cette main. Aïe, aïe, aïe. Et... parce que sur le terrain. Sur le terrain d'à côté, après une casquette, Tyson Molina, s'il a tiré au bouchon, il a manqué. Et ça sent plus le sapin que les dragées pour l'équipe de Michel Loi et Tyson Molina. Et là, sur le terrain qui nous intéresse, malheureux Kevin Malbec hein, qui tire la boule et qui prend le bouchon. Et au lieu d'un point, il en donne deux. Terminé. À Lyon. Deux à Cahors, pardon. L'autre doublette est terminée. Cahors mène donc 1-0 dans cette finale. Et là, on a vu. Ils nous ont fait le même show que hier. Hein, la doublette Valentin Boris, Sébastien Lacuna. Ah, bah, il y a des. Talent à revendre. Impressionnant. Christian Lagarde. Ah, quelle partie. Bien, bien, bien. Quelle partie du vétéran de cette finale 2016. Il a tiré. Fait son boulot. Jusqu'à présent, Christophe Sario. Il fait son boulot. 4 à 6, on a plus vu, on est pareil. Hein. C'est dommage que la main d'avant il profite pas. Allez, viens encore. Quelle reprise encore. Bien, bien, bien. T'as fait bizarrement ça là. Ouais, 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 ouais. Je pensais qu'elle était courte, toi. Elle était courte et qu'elle allait partir sur le côté. Allez, on fait le tirer. Elle est quasi parfaite à l'arrivée. Allez, gros. Un coup dans le bouchon et dès qu'il y en a une qui est derrière, il est en devant debout là. Ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre.